Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu les let's play parce que bah voilà, j'aime bien tout ce qui est mode histoire. Et en ce moment il y a pas mal de petits jeux qui sont en train de sortir et sérieusement moi je kiffe. Donc j'ai décidé de refaire des anciens jeux que j'adorais faire. Après pourquoi pas refaire des let's play sur également du rétro gaming. Donc au moins tu vois ça va changer un petit peu de tout ce qui est Rocket League, Call of Duty et tout, tu vois ça change vraiment pas mal. Je te laisse la petite cinématique et je t'en parle juste après. Tu crois que tu peux me mater, sale poulet? J'ai éclusé les trous les plus sordides de l'univers. Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulons. Les fosses de l'éternité de Zordoum. Les cachots de fer de Novalis. Les... Bien le bonjour, le nouveau, je suis... Le capitaine Quark? J'y crois pas. Vous ici? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez? Bon, ça suffit comme ça. C'est à toi que je m'adressais, Zed. Oui, capitaine. Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures. Et comment? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie. Il est plus aussi célèbre. C'est pas sympa, ça, Bill le solitaire. J'adore ce que vous faites. J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank. Le quoi? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax. Oh, tu veux sûrement dire l'holo-film? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu. Il est inspiré de l'holo-film. Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais envoyer direct en prison. Ils font un jeu basé sur un holo-film basé sur ma vie? Mais ils ne m'ont même pas consulté. C'est ma faute. Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de mes fans en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, capitaine. C'est vrai? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet. Où est-ce que tu vas comme ça? Hé hé, Grim, t'es là? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Eh bien je suis là, je suis toujours là. Tes cachotteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques là, le capitaine Quark sera là. Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de Monsieur Micron. Occupe-toi de ce cranco boulon. Allez, laissez-le. Voyons si ces nouvelles Versa ampoules fonctionnent. Lève la tête, tu vois quelque chose clignoter? Ouais, à gauche, c'est bon. C'est un miracle. Passons au feu du propulseur. Lumière propulseur inférieur gauche, ok. Ce truc va peut-être finir par décoller après tout. Encore une fois droite. Propulseur inférieur droit, ok. Bon, je peux y aller? Ouais, c'est bon. D'après les infos, les épreuves de sélection se tiendront à la fête foraine. Mais en leur plein la vue. C'est ainsi que Ratchet entama son périple, dans l'espoir de devenir Ranger Galactique. Alors, comme je te disais, j'ai l'intention de reprendre un petit peu tout ce qui est jeux, let's play, etc. T'as pas mal de jeux de mon enfance qui sont en train d'être remasterisés, tu vois, sur la PlayStation 4. Alors ce jeu là, tu vois, j'y jouais quand j'étais sur PlayStation 1, c'est un de mes tout premiers jeux que j'ai fait.
Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas recommencer une nouvelle aventure, tu vois. Hatchet frappa ses ennemis grâce à sa fidèle super clé. Et franchement, moi, c'est ce genre de jeu, en fait, je les kiffe. Ça va te changer de Call of Duty, ça va te changer de Rocket League. Hatchet utilisa une vénérable technique ancestrale de guerrier, le saut. Donc on va éviter de faire le con, on va éviter de crever dès le premier niveau, sinon tu vas me prendre pour un noob. Et c'est pas le but recherché. Des dangers mortels l'attendaient. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de nanotech pour se soigner. J'en ai utilisé après avoir... Ah ça va, j'ai pas trop perdu la main. Et normalement, il devrait pas avoir trop d'épisodes sur ce let's play. Enfin, une dizaine à peu près, tu vois. Au pire, les mondes que je vais trop vite, je mettrai plusieurs mondes. Enfin, je pense mettre plusieurs mondes. Après, c'est pas sûr. Sinon, je te ferai une vidéo ou je t'en ferai deux, je sais pas encore. Est-ce que tu essayais de faire le plein de boulons pour acheter une arme qui lui permettrait de sauver la galaxie ? Hé, c'est qui le narrateur de cette histoire ? Alors, c'est un petit peu comme sur les Lego, pour ceux qui ont suivi l'aventure. C'est des jeux où tu es obligé de ramasser toutes les ressources, bah là c'est les boulons en fait, ça va te permettre d'acheter des armes. Et le but du jeu c'est d'avoir toutes les armes. T'as toutes les armes et tu dois toutes les augmenter au maximum. Bah là c'est pas là, bon on va suivre. De toute façon, là c'est le niveau tuto. Je casse quand même le tour, mais c'est que le niveau tuto. Là je vais avoir mes premières armes. Solana est un endroit dangereux, comme le prouve la grande quantité de munitions laissées un peu partout dans des caisses. Bah là, franchement, ça a l'air d'aller. C'est pas mon arme préférée, mais ça va, il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Pour pimenter un peu les choses, ces mannequins sont armés de lance-flammes Gadgetron. D'après nos avocats, c'est légal. Bien joué, petit. Alors tout le long de la partie, je vais récupérer des cartes, des holocartes comme ils disent. C'est l'heure de l'ultime défi. Si tu survis à cette redoutable vague d'ennemis, deviendra peut-être le prochain Ranger Galactique. Alors, un peu stagé. Rien de moins. Oh, ces crapauds n'ont pas l'air contents. Impressionnant. Aurions-nous sous les yeux le prochain Ranger Galactique de Solana ? Un autre de moins. Oh non, je suis à sec.
Alors là, c'est ce que je craignais, tu vois. C'est que t'as pas les munitions illimitées. Donc du coup, il m'en manquait un. Oh putain, je l'ai encore loupé. Avec la soldat là. Bah je cherche quand même la difficulté, mais sinon il n'y a pas moyen de galérer comme ça, tu vois. Juste avec le marteau, je peux les avoir. Et je me souviens que je m'étais lancé un défi à... sur la PlayStation de tout faire le monde avec le marteau. Je pense que j'y... La pauvre anomalie savait que sa seule chance de survie était d'emprunter le système de ventilation du bâtiment. Si elle parvenait à atteindre le conduit, elle pourrait peut-être s'en sortir. Je sais que tu trouveras cette anomalie, Victor. Tu ne me déçois jamais. La chétive anomalie savait que pour survivre, elle allait devoir lancer une bombe sur tout ce qui se dresserait sur son chemin. L'anomalie a perçu un robot ressort à quelques pas. Elle savait. Alors là, c'est pareil, tu vois, tu peux enregistrer, hein. La pauvre anomalie devait lancer. Tu peux continuer, t'avances. Il y a certaines cinématiques qui sont protégées par les droits d'auteur. Donc du coup, je ne peux pas tout filmer les cinématiques, ça c'est dommage. Après, je suis sur PlayStation. J'enregistre directement avec la console, je sais pas s'il faut faire une manipulation pour avoir toutes les cinématiques. Voilà enfin. Oh non. Bon, en tout cas, sur ce jeu, pour le moment, je peux pas. Donc par ici qu'on règle ça entre robots de guerre civilisés. Oh non, de l'eau. Bah y a rien de compliqué dans ces premiers niveaux, c'est vraiment simple. Enfin, je te montre juste le let's play, tu vois. Vous avez vraiment le don de tenir le public en haleine. Merci, Shiv. J'aime à me considérer comme un narrateur exceptionnel. Voilà, on casse, on prend tout ce qu'on peut. Quel est le problème, putain ? Il ne m'échappera pas. Ok. Il est entièrement à ma merde. Alors, comme tu peux le voir, à chaque fois, il y a toujours un petit truc à faire. Il faut réfléchir aussi un petit peu. Là pour le moment ça va, t'es pas obligé. Mais après il va falloir. Ce n'était pas si difficile. Vraiment pouvoir m'échapper. Alors commence un petit peu. Bah ça c'est pas le plus dur. Reviens ici, espèce de sale anomalie. Comment ça? Ah non, normalement il me touche jamais. Allez, je te fais la vidéo, il me touche. Ouais, d'accord. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Encore ce psychopathe. Oh, j'aurais un ralenti? Reviens ici, espèce de sale anomalie.
En fait, j'ai ralenti un petit peu, c'est pour ça. Essaie donc d'éviter ça. Je vais te réduire en pièces détachées, boulon par boulon. Voilà. Des tonnes de questions se bousculaient dans la tête de Ratchet. Parviendrait-il à réparer ce minuscule robot de guerre? Serait-ce là la clé de l'aventure dont il rêvait? Avait-il laissé le protomateur dans le garage? La réponse à toutes ces questions était oui. Ok, attends, je vais nous ramener au garage. Alors là, on vient de récupérer le robot. Alors c'est une anomalie, normalement ça devait être un robot de guerre. Mais voilà, tu vois, on l'a récupéré, il atterrit sur notre planète. Donc, bah, il faut le garder. Ces brèches étaient un jeu d'enfant pour Ratchet. Tout ce qu'il lui fallait pour les traverser, c'était un swinger et un peu de... Par chance pour notre héros poilu, une caisse bien placée fournit un combustor à Ratchet. Un combustor. Ratchet découvrit la liberté procurée par le fait de pouvoir changer d'arme en tout temps. Essaie de tirer quelque part pour ouvrir. Très joli tir. Alors, faut viser. Mes bases de données contiennent des informations compromettantes pour le président Drake. Il a dû suivre mon signal jusqu'à cette planète pour les récupérer. Alors, tous les boulons qu'on peut récupérer, faut la récupérer. Il parcourait le plateau de Kizil à la recherche de nanotech. Grim, écoute-moi bien. Verrouille les portes du garage et file te planquer dans l'abri. J'arrive dès que je peux. Bien reçu, Ratchet. Alors, je suis pas très doué, hein. ça se voit, je me fais toucher directement. Et c'est que le début, donc imagine plus tard. Le modèle X67, pour être précis, aussi connu sous le nom de la bête de la mort. Super. Quoi le délire? C'est un petit peu dégueulasse, mais bon. Le principal, c'est que ça paye. Attention, il va encore en avoir là-bas. Faites sortir de là!
On va pas y aller tout de suite, je peux pas y aller. Peut-être par la suite je reviendrai dans les mondes pour finir. Parce que bah j'aime bien avoir tous les succès à 100%. Maintenant si je l'ai pas en let's play c'est pas très grave, il y a... Si tu les veux, t'hésites pas, tu me le dis, je te les enverrai. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de let's play. Je suis dans l'abri. Ratchet, c'est un vrai dépotoir. Il y a des armes démontées et des pièces de moteur partout. T'étais pas censé ranger tout ça la semaine dernière. Ouais, désolé. J'ai été remis sur un projet. Kit d'introduction au moteur explosion quantique. Bon, mets ça n'importe où. J'ai noté la page. C'est quoi ça? S'amuser avec les singularités et autres phénomènes cataclysmiques. C'est plus pour m'instruire, vraiment. Ça fait toujours plaisir de rencontrer un collègue érudit. En fait, je me contente de regarder les images et je fais de mon mieux. Bah là on n'a pas trop le choix, hein. Tu tires de loin. T'essayes d'en démonter quelques-uns. Oh non, je suis à sec. On change d'arme dès qu'on peut. Ah lui est fait. Putain je pense que je l'avais eu. Normalement il m'en reste un, ce voyage là. Voilà. C'est bon Grim, la voie est libre. Tu peux ouvrir? Ratchet, lointain Sonic, qu'est-ce qui vient d'exploser? Désolé pour ça Grim. Prépare mes outils, tu veux? J'ai trouvé un truc dans le désert, j'aimerais l'examiner. Intéressant. Dans quel genre d'usine sommes-nous? Ça? C'est juste un garage. Je vis ici depuis que je suis petit. Allez, viens, on va préparer. Bon, il y a des dégâts, mais j'ai déjà réparé pire. Allez, on trouvera peut-être quelqu'un pour nous aider en ville. Une minute. Donc c'est la fin de cette vidéo, on se retrouvera pour l'épisode suivant sur c'est Novalis je crois si je dis pas de conneries. J'achèterai vraiment ça. C'est ici que tu choisis ton arme. Je vais te montrer. Va te falloir du raritanium, mais pour l'instant, on va utiliser le mien. Il te suffit juste de choisir une cellule. Ces éléments forment une chaîne. Vas-y, complète-la en entier. Il n'y a plus qu'à confirmer la transaction. Hey, tu as entouré un ensemble mystère. Ça va te donner un sacré boost. C'est vraiment pas sorcier. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des armes. Après, le reste, j'en ai rien à foutre. Ah, ça, c'est... Elle est excellente, cette arme-là. Bon, allez. De toute façon, les deux armes, je les aurai. Voilà, j'ai fait le plein de munitions. Donc, on se retrouvera pour l'épisode prochain sur Novalis. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chirica.